maintenant en vidéo pour votre plus grand plaisir. Non, je les mets où, moi, les poubelles? Madame Alves, bonjour. Et très bonne nuit à vous. Soyez gentil, arrêtez de m'appeler Madame Alves. Pourquoi? Parce que je m'appelle Madame Romero. Promis que j'attrape, c'est une trompe. Écoute, c'est un mauvais moment à passer. La vie entière est un mauvais moment à passer. Venez là-dedans. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est la Saint-Martin, on tue le cochon. Ça vous arrive d'être sympathique? Et pourquoi faire? J'aimerais bien savoir c'est qui cette pute. Ça sert à quoi de savoir? Ça sert à quoi? Mon père, il est pas rentré hier. Pardon, les filles. On vous a pas sonné. Vous penserez à me faire becquer les petits singes quand même, hein? Je vous interdis de parler à ce bonhomme. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Louis, s'il te plaît, non, pas lui, je l'avais dit. Infirmière, on la perd. S'il vous plaît, je ne suis pas votre solution. Alors vous ne comptez plus sur moi. Bon, ça va, vous allez me lâcher maintenant. Mais j'habite là, je suis obligé de passer par ici. Madame Romero, ne le prenez pas mal, mais là, il faut me laisser un petit peu tranquille, d'accord? Dans quel sens? Dans le sens qu'ils vont me foutre la paix. Pardon, hein? Sainte Marie, donnez-moi la force de garder espoir. Faites qu'on trouve papa et éventuellement sa pute. Bientôt, en vidéo, pour votre plus grand plaisir. Excusez-moi, êtes-vous Sarah Morton? Oh, j'ai lu tous vos livres et j'ai... Écoutez, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Oh, j'en ai tellement marre des meurtres et des enquêtes. Pourquoi ne pas déconcerter les critiques en écrivant un livre tout à fait différent? Tu connais le Luberon? Ma maison. Pourquoi tu n'irais pas y passer quelque temps, hein? Tu avais raison, comme toujours. Ta maison est un vrai petit paradis. Et je me suis déjà remise au travail. Merde, comment veux-tu que je travaille maintenant? Donc vous êtes la dernière conquête de mon père? Écoutez, si ça vous ennuie pas, j'ai beaucoup de travail encore. D'accord, je vous laisse tranquille, Miss Marple. Comment vous pouvez être aussi naïve? C'est le roi de la partouze. Je veux qu'on me laisse travailler et finir mon livre. En paix. Qu'est-ce que vous avez à l'œil? Pourquoi ça vous intéresse tout d'un coup? Découvrir chez un proche une partie de sa vie qu'il vous a dissimulée, c'est fascinant. On n'a pas intérêt à me chercher, moi, parce que sinon, on me trouve vite fait. Il faut que vous me disiez toute la vérité. Papa, Marie. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, les filles. Thank you.
Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. New York. 12 millions d'habitants. 22 millions de téléphones. 1 milliard de communications par jour. Concentre-toi, mec. BQ, sois raisonnable. Je suis un gangster, alors j'ai pas à être raisonnable. J'entends la rien. Prochaine fois, je te tue, sale crevard, si tu continues à parler. Stu Shepard croyait avoir de nombreuses relations. Voilà 4 billets pour Britney Spears, c'est ça? Promis, Stu. C'est pour la soirée du 18. Je te livrerai un wagon de célébrité. Mais aujourd'hui, quelqu'un a eu son numéro. Oui? N'essaye même pas de quitter cette cabine. C'est une erreur, mec. J'ai une arme braquée sur toi en ce moment. Est-ce que tu la sens, Stu? Vous m'appelez Stu? Vous êtes qui? Quelqu'un qui a plaisir à t'observer. J'ai un calibre 30 d'intervention à culasse mobile 700 avec lunettes tactiques. C'est quoi? Un genre de fusil? À cette distance, le trou que fera la balle en sortant devrait avoir la taille d'une mandarine. Vous déconnez? Y a qu'un seul moyen de le savoir. Oh putain, vous avez tué ce mec! Regarde tous ces gens, Stu. C'est lui qui a tué! Mais c'est pas moi! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Si tu le demandes, c'est que t'es pas encore prêt à le savoir. Baissez votre arme et sortez les mains en l'air! Où est mon arme? Vous voyez une arme? Je veux vous voir lancer votre arme immédiatement! N'ai tiré sur personne! Donnez-moi votre version des faits, c'est tout. Si tu lui dis, je te tue. J'ai aucune version des faits. Tu es dans cette situation parce que tu ne dis pas la vérité. Je suis dans cette situation parce que vous avez une arme. Allez, Stu, t'as pas encore compris? Allô? À vous dépêcher, Stu. Femme, raccroche! Stu n'a pas été totalement honnête avec vous, sa femme a l'air très en colère. Il m'a dit qu'il était pas marié. Laissez-la en dehors de ça! Votre femme est à côté de moi! Kelly, ça c'est excitant. Il faut que tu choisisses l'une des deux. Kelly, pam, pam, pam! Laissez-la en dehors de tout ça! Ils sont en position. Alors foncez, foncez, foncez! C'est moi qui donne les ordres. Écoutez, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Tu acceptes ou tu crèves maintenant. Une. Ne tirez pas! Deux. Ah, Kelly, non! Trois. J'ai eu cette greffe. Je vois des choses qu'elle voyait. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Disponible en vidéo au printemps. Sarah vit dans l'opulence. Ciao. Tom vit dans l'insouciance. Oh purée. Aucun ne savait ce qu'était un coup de foudre. Avant de se rencontrer. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, j'ai connu pire. Je veux me marier avec toi. Maintenant, ils vont faire le serment de vivre ensemble en parfaite harmonie. Oh, oh. Regagnez vos sièges, s'il vous plaît. Oui, on arrive. Maintenant, la récré est terminée. S'ils survivent à leur lune de miel... Ça pourra pas rentrer dans une prise européenne. Ça va rentrer. Ils survivront à coup. Allez-vous-en! Où est-ce qu'on va, Tom? Oh, génial. On s'en souviendra de cette lune de miel. Je me demande quelle bagnole on a. Chouette, maintenant on n'a plus qu'à attendre de crever de froid.
Bienvenue à la lune de Fiel, Morbac. J'ai étudié le karaté avec un grand maître pékinois. J'espère qu'il t'a montré qu'il a la parade pour éviter de te prendre un tisonnier dans le derrière. Oh, pardon. 20th Century Fox présente Ashton Kutcher. C'est drôle, j'ai l'impression bizarre qu'on est mariés depuis 50 ans. T'auras pas cette chance-là. Brittany Murphy. Lune de miel d'habitude rime avec champagne et faire l'amour. Et maintenant, votre film. C'est ça,